Bonjour. Pour suivre Info Express version bilingue, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Et pour ne rien rater de nos nouvelles émissions, cliquez sur la clochette. 欢迎收看双语快讯，敬请订阅并点击小铃铛。 2月3日，世卫专家组在武汉病毒研究所停留近4个小时。据俄罗斯卫星网消息，世卫专家组成员、俄罗斯圣彼得堡巴斯德研究所副主任戴德科夫说：“武汉研究室设备精良，我很难想象能有什么会从这里泄露出去。”世卫专家组另一位成员彼得·达萨克也发表同样的看法。 Le 3 février, des experts de l'Organisation mondiale de la santé ont visité l'Institut de virologie de Wuhan pendant 4 heures. Sputnik rapporte que Detkov, membre de l'équipe de l'OMS et vice-directeur de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, a déclaré « J'ai du mal à imaginer que quoi que ce soit puisse s'échapper de ce laboratoire si bien équipé. » Peter Daszak, un autre membre de l'équipe de l'OMS, est du même avis.